Aujourd'hui sorti Fireball, on est vraiment limite de la fraie, hein. On voit pas beaucoup d'écho, il y a quand même, il y en a quelques-uns, hein, mais c'est un peu just, ou alors c'est vraiment des petits. Donc là pour aujourd'hui, ma stratégie ça va être de chercher les échos qui sont décollés. Parce que j'avais fait une bonne partie au ras du fond, j'ai rien vu d'intéressant. Dans la vidéo, je suis tombé sur un silure qui était à peu près entre deux eaux, donc j'ai tout de suite présenté mon vif dessus et ça a pris quasiment dans la seconde. Donc je pense que je vais continuer sur cette stratégie où je vais continuer à bien prospecter la rivière tout en cherchant les glandes qui sont assez décollées. Ce que je vais faire aussi, parce que je vais arriver dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais je sais qu'il y a du beau glane quand même, donc je vais laisser un bouchon en dérive et sur ma canne en verticale, je vais partir sur le vertical jig. Je pense que je vais partir sur du 85 grammes, ça me paraît assez bien, c'est un bon compromis je trouve. Coloris chartreux, donc vert fluo. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça se goupille bien, je suis content. Voici un joli petit silure de maine. Voilà. On peut voir que justement il a bien mangé celui-là.
Et ben, au vertical jig, hein, avec une animation au ras du fond, voilà. Et donc ça a permis de déclencher cette belle touche quand même, hein, ce qui m'a bien déboîté. Il a bien gammé vertical jig, donc on voit qu'il reste quand même assez actif sur des grosses lames vibrantes. C'est pas un gros glan, hein. Il doit faire peut-être 1m10, un truc comme ça, mais c'est toujours sympa de faire une touche au leurre en vertical. Bon, j'ai quand même vu des beaux échos sur cette zone-là, décollée en plus. Donc il y avait, moi je pense qu'il y avait au moins du 2 mètres, hein, facile. Donc le bouchon, ça les a pas intéressés. Je viens de faire un glan donc avec une lame vibrante, donc le vertical jig là en 85 grammes. J'ai recommencé mais au fireball. Donc là pour remonter, là pour le coup il y a un peu de courant, donc j'ai utilisé le moteur électrique. Donc je vais venir longer la berge pour pas effrayer les poissons. Voilà, l'objectif c'est d'être le plus discret possible. Donc j'ai remonté jusqu'en haut et ils étaient vraiment en plein milieu. Donc je vais recommencer comme ça et je vais enlever le bouchon parce qu'ils n'ont pas tapé dessus. Donc je vais essayer d'avoir une approche beaucoup plus précise avec le fireball.